pour poser la question du courage, de l'établissement de la vérité et de la fiction, j'ai choisi de parler non pas de des fictions dont je m'occupe moi, qui sont des séries télévisées, qui font l'effet d'être des sujets un peu légers par rapport aux enjeux qu'on voulait aborder ce soir, mais d'un film qui s'appelle La Révélation, qui est paru en 2008, qui a été réalisé en 2008, et qui porte sur le tribunal pénal international de La Haye, et plus précisément sur le tribunal qui se passe à La Haye, au tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Je vais vous montrer un petit extrait de ce film, et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce que il me paraissait particulièrement approprié pour développer cette question du courage. Ce film m'a été présenté par Elisabeth Claverie, qui est ethnologue et qui travaille en ce moment à la Cour pénale internationale sur l'émergence d'une justice internationale. Alors, l'histoire du film La Révélation, qui s'appelle Sturm, qui est un film allemand, Sturm, Hans Schmidt, c'est une histoire qui est très calquée sur des faits réels. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Goran Duric, dirigeant serbe, responsable politique, est jugé à La Haye pour les crimes contre l'humanité et il a enfin été arrêté et il comparaît devant le tribunal. On est arrivé à trouver un témoin, un seul témoin, qui fait sa déposition et qui raconte l'histoire d'une déportation dans un car placé dans une cour d'école de dizaines de femmes et d'enfants. Mais sa déposition est fausse. C'est-à-dire que la déposition du seul témoin qui est venu déposer, cette déposition est fausse. Et l'avocat de Duric montre les plans de la cour de l'école et montre que le bus ne pouvait pas arriver à tourner dans cette cour d'école. Donc la séance est interrompue, pour le tribunal c'est une catastrophe, la procureure part en Yougoslavie pour aller vérifier la situation et le principal témoin se suicide. La procureure Anna découvre alors qu'il protégeait sa sœur Mira et que ce n'était pas lui mais qui avait été directement témoin des faits, mais c'était des faits que sa sœur lui avait racontés. Mira a été déportée, violée avec beaucoup d'autres femmes qui ont été assassinées dans cet endroit où elles ont été conduites par ce car qui partait de cette école. Ce film nous conduit donc à réfléchir d'abord sur le témoignage avec cette idée que de la question de l'exactitude des faits, puisque les faits qui ont été racontés n'étaient pas des faits exacts, et attire l'attention sur qu'aujourd'hui, à notre époque, dans notre culture, l'exactitude des faits dans un témoignage est devenue quelque chose de tout à fait central, ce qui n'a pas toujours été le cas. Dans d'autres contextes, historiques et culturels, il y avait une plus grande latitude sur l'acceptation des faits. Il y a aussi l'idée que la cohérence d'un témoignage est devenue aussi le grand critère de preuve de sa validité, et aussi l'idée que qui est très partagé aujourd'hui, que le fait de témoigner, de parler, aurait une vertu libératrice. Et là aussi, la prise en charge par le frère du témoin de la parole à sa place révèle l'idée que la parole, au fond, peut quelquefois être dangereuse et que le temps peut parfois recouvrir des expériences traumatiques qui, quand on les réveille ou quand on les révèle, deviennent très très difficiles. Alors Anna découvre que le témoin protégeait sa sœur en essayant de l'empêcher de parler. Elle essaie donc de la retrouver, de la convaincre de témoigner. On va regarder quelques images qui vont nous permettre de rentrer dans le film et puis ensuite ça va commenter le film. Je suis allée à la ville pour ça. Nous avons envoyé des enquêteurs, nous tâcherons de trouver des preuves et nous saurons ce qui s'est passé tout le temps. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez survécu à la guerre, vous vivez à Berlin, vous avez un enfant, un mari, vous avez coupé avec le passé. Si vous pouviez nous dire quelque chose sur Goran Duric et Irina Kosa, je suis sûre que vous vous êtes déjà imaginé des milliers de fois comment ce serait si vous apprentiez ce qui s'est passé et qu'alors il soit puni. Donc là, la procureure. On arrête. Voilà. La procureure essaye de la convaincre de témoigner. Ah ben c'est dommage si on ne peut pas avoir le film parce que ça fait rien. On peut regarder quand même un peu les images.
J'ai testé tout à l'heure. J'aime beaucoup la vie ici. Et je ne veux pas vous cacher. Vous comprenez ça? C'est une forme de distance. C'est un souvenir de quelque chose. Arrivant en République serbe et du coup essaye de mener l'enquête et se trouve objet de menace. Elle retrouve le témoin et essaye de la convaincre de témoigner. Pour un témoin, témoigner, ça c'est pas très facile, comme vous pouvez le voir. Donc elle va essayer de la convaincre qu'il faut arriver à témoigner contre Durick, et donc la témoin finalement accepte de témoigner, se rend au tribunal, et là, on lui explique que pour des raisons politiques, il est très important qu'elle ne parle pas de l'endroit où elle a été déportée. Et on demande donc de limiter ce témoignage. Et le film se termine, et c'était cette séquence-là que je voulais vous montrer, par le moment du témoignage dans lequel finalement ces deux femmes, ces deux femmes décident qu'elles vont véritablement témoigner. Bon, c'est vrai que pour moi c'était très important de pouvoir voir les images et de pouvoir commenter des images que vous auriez vues, donc je vais essayer de le faire sans ça, c'est un peu plus compliqué, en essayant de montrer comment ce que, quand ce film qui se veut très transparent par rapport à la réalité qu'il décrit, c'est un film très documenté, c'est un film qui a vraiment une veine de documentaire, a été diffusé, la personne qui avait inspiré ce film et qui avait été la conseillère sur ce film, qui est Florence Hartmann, qui était le porte-parole du juge Carla Del Ponte, a eu cette phrase très intéressante dans laquelle elle a dit « La justice internationale est quelque chose qui nous est très cher et que l'on doit continuer à soutenir pour éviter que des incidents comme ceux qui sont racontés dans le film se produisent. »
Et elle avait raison d'être inquiète parce que quand on regarde les réceptions qui ont été faites du film, j'ai fait une analyse de 260 critiques telles qu'elles ont été diffusées sur les sites, on voit que en fait face à un film, qu'il y a un certain nombre de critiques qui ont eu tendance à prendre le film comme à l'analyser comme un thriller, c'est-à-dire considérer que c'était un thriller juridico-politique. Et quand on analyse le film pour sa valeur de fiction, avec en la jugeant comme si elle était une fiction, on lui applique un certain type de catégorie, on regarde s'il est bien joué ou mal joué, s'il est bien noué ou mal noué, s'il est bien interprété ou s'il est nouveau ou s'il est déjà vu, ou s'il suscite des émotions. Mais on se met dans une posture dans laquelle c'est la qualité esthétique du film qui importe, et dans lequel il est considéré comme une fiction. Et d'autres critiques le considèrent plutôt comme un documentaire, et à ce moment-là, elles font pas attention aux mêmes éléments. Celles qui les considèrent comme un documentaire sont sensibles à les dimensions éthiques du film, c'est-à-dire qu'elle n'est plus considéré comme une intrigue, mais comme un destin, et établissant un lien de fraternité avec les personnes qui jouent à l'intérieur de ce film. Et en fait, ce qui paraissait vraiment très important pour la personne qui avait inspiré ce film, c'est justement qu'il soit pas considéré comme fiction, mais qu'il soit pris pour sa valeur documentaire, et qu'il permette dans cette valeur documentaire de pas être rabattu sur une critique des compromissions qui peuvent exister dans un tribunal, mais qu'il soit perçu comme étant une avancée vers ce qui peut être une montée de l'institution d'une justice pénale internationale et qui repose sur le courage de dire la vérité, c'est-à-dire de passer de l'idée de témoigner de à l'idée de témoigner pour. Et tout le travail qu'a accompli la juge Ménard avec cette femme Mira que vous voyez sur votre écran, c'est l'idée d'essayer de l'arracher à sa propre expérience pour la conduire à passer d'un témoignage de ce qui lui est raconté, de ce qui lui est arrivé, à un témoignage au nom de ce qui lui est arrivé aux autres. Et en obtenant ce transfert du témoignage de à témoigner pour, l'idée c'est d'essayer en fait, ce n'est pas de montrer l'histoire de l'alliance de deux femmes contre une institution, ni de montrer l'idée comment ce que triompherait un idéal contre la réelle politique, mais c'est vraiment de sauver l'institution elle-même. C'est l'institution que la procureure défend quand elle maintient l'accusation, en essayant de montrer que ce genre d'institution ne peut exister que si elle maintient la question de la vérité. Et d'une certaine façon, ce que montre ce film, pour terminer par une référence à Hannah Arendt, c'est la fragilité de la vérité des faits. Et la vérité des faits est infiniment plus fragile, dit Hannah Arendt, que la vérité de raison. Parce que ce que les hommes ont pensé, ce que les hommes ont conçu, ce que les hommes ont compris, ils pourront toujours le re-raconter. Alors que les faits sont terriblement fragiles, et les faits peuvent être effacés pour toujours. Et si on veut que la justice soit faite, que certaines justices arrivent, il faut se battre pour la vérité des faits. Cette vérité des faits qui est ces faits qui sont à la fois tyranniques, parce qu'une fois qu'ils sont établis, ils s'imposent. Ils s'imposent avec une faveur de coercition plus forte que toute autre chose, et qui est la raison pour laquelle les États totalitaires ne les aiment pas, parce que les faits sont plus forts qu'eux. Et les États démocrates ne les aiment pas tellement non plus, parce que les faits ne sont pas pluralistes, les faits s'imposent avec vérité. Et au fond, ce qui se montrait dans ce film, dont je regrette beaucoup que vous n'ayez pas pu voir les images, c'était que c'était le courage de se battre pour que soit mis en œuvre une certaine vérité des faits qui permettent de changer l'image de la guerre en la présentant du côté des victimes.